Moi, je suis franc avec toi. Je te dis tout. Je te fais confiance. Mais... T'as pas à voir, Gilles. Des crosseurs dans la ligue, on peut pas se permettre ça. Tu juste de me traiter de crosseur, toi, là? Ton fils est un disciple de Chabanel. Y a rien qui me prouve que t'es pas un agent double. Je suis pas le seul à penser ça dans la ligue. Wow, 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 wow. Jamais je me rangerai du bord de la gang à Chabanel, m'entends-tu? Jamais! C'est beau, là, chez vous, là. S'il y a quelqu'un ici qui veut faire tomber Chabanel, c'est moi. Chabanel a mis des idées dans la tête de mon fils qui me font lever une poêle des bras. Puis comme c'était passé, son panzini a pris ma femme! Fait qu'il n'y en ait pas un tabouaire ici qui vient de me dire que je suis une menace pour la Ligue. Moi, il y a juste une affaire que je veux, puis au plus sacrant, c'est mettre Chabanel à terre. Puis je serai pas tranquille tant que lui et sa gang sont pas en prison. Et des murs de trois pieds d'épais, tous les bords. Puis ça inclut mon fils. Si j'arrive pas à y faire entendre raison. Même si on a passablement amoché le clan Chabanel, on peut pas baisser les bras. Clair et net que Chabanel pourra avoir encore un autre tour dans son sac. Ça va être quoi, son prochain move, hein? Répondons à ça? Ben oui, faut juste pas s'asseoir sur nos lauriers jusqu'au 13 septembre, c'est tout. Tant que la date sera pas passée, on n'a pas de garantie que Chabanel n'a pas un autre plan de réserve. Je suis d'accord avec elle. Vaut mieux garder la tête froide. De toute façon, avec la virée d'alcool qu'on a faite, je pense que ça va être meilleur pour nos santé. Aujourd'hui, je le sens en torieux que je suis né en 1880. Agrandir notre champ d'exploration, c'est le seul espoir qui nous reste. Puis oubliez pas qu'on a toujours Gérald de Boivin avec nous. Hmm? Jusqu'au 13 septembre, il va traquer Chabanel. Il nous l'a promis. On est chanceux d'avoir quelqu'un comme lui avec nous. Ouais, mettons. C'est quoi, là? Pas confiance à Gérald, toi? Son gars m'inquiète. Boivin est allé le visiter à son église. Je l'ai entendu qu'il en a parlé. Ça vous dérange pour vous autres. Et si on mettait de la filature sur son fils, là, il pourrait nous mener jusqu'à Chabanel. Ça doit vous changer de la ville, ça, hein? Ouais. Hey, y a-tu des animaux sauvages ici? Oh oui, y a des renards, des orignaux, des loups. Des loups? Y a des loups ici? Ouais, mais c'est plus rare. Hey, regardez là-bas! Là-bas, derrière les arbres. Aïe, aïe. Oh, c'est un cerf de Virginie. Aïe, aïe. C'est la première fois que j'en vois un comme ça en vrai, là. T'avais raison, Ma. La raquette, là, c'est vraiment le truc à faire ici. Maman? Maman? Voyons! Petit traquette à la marde. On va le perdre, docteur. J'arrive pas à trouver la veine brachiocéphalique. Voyons, il est juste là, c'est gros comme le bras. Or que là, je l'ai manqué. Regarde-là, là. Ah oui, avec la HD, c'est bien clair. J'ai trouvé la veine, docteur. Vous avez aussi trouvé celle de mon cœur, Viviane. Bon, enfin! Ils se sont faites pour l'ensemble. Pour 200 000 $, à combien d'unités astronomiques du Soleil se trouve l'astéroïde Cérès? À combien d'unités astronomiques du Soleil se trouve l'astéroïde Cérès? Je vais faire appel à un ami. Très bien. Et on parle à? Benoît.